Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince, et on va faire la live reaction à l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones. Ouais. Donc on va se lancer dès maintenant, oui. Parce que j'ai pas envie d'attendre. À part, je dirais quand même que moi je ne suis pas un anti-Théon, comme beaucoup de gens qui apparemment ont oublié par quoi il est passé dernièrement. Non mais c'est parce que les gens ils sont trop habitués à avoir des héros quoi. Donc, ouais, des Jon Snow quoi. Voilà, tu vois. Ou même dans d'autres médias, tu vois. Un peu de réalisme de temps en temps, ça fait pas de mal, tu vois. C'est logique. Puis après, ça va avoir un but pour la suite. Puis en plus de ça, je rajouterais aussi qu'il a certainement aussi fait ça pour sauver sa sœur. Oui. Parce qu'en faisant ça, il a sauvé sa sœur. Oui. Parce que je suis sûr que s'il s'était approché, l'autre, il aurait tué sa sœur. Sa sœur serait morte et il serait mort aussi. Non, il aurait capturé Théon. Pourquoi il l'aurait capturé lui? Parce qu'il a capturé Yara, là, à mon avis, pour l'amener devant. Ça va être une offrande à Cersei. Oui, alors. Donc, je pense qu'il en veut tout simplement un des deux, tu vois. Ouais. Surtout elle, quoi. C'est quand même la chef du truc. Lui, il sert à rien, Théon. Ah, il représente que dalle, maintenant. C'est lui, dans un peu sur le. Ouais, mais donc, si on se parle de ce principe-là, il aurait pas tué Yara, là. Ouais. Il l'aurait tué lui. Bah oui. Ouais, mais tu vois, donc au final il a pris la bonne décision, surtout que là il va pouvoir avertir Daenerys. Bon, let's go. Direct. Ah bah. Direct, on se lance là-dessus. Apparemment. Oh, taille. Le comité d'accueil. God damn. Bastard of Winterfell, the dwarf of Casterly Rock. I believe we lost each other atop the wall. You were pissing off the edge, if I remember right. Oui, c'est vrai. Some scars along the road. It's been a long road. General rule of thumb: Stark men don't fare well when they travel south. True, but I'm not a Stark. On voit ceux qui sont pas habitués. On s'habitue. You never really do. Come. The mother is waiting for you. Ça y est. Bon, elle va vouloir faire la meuf, forcément. C'est la reine, elle accueille, voilà, voilà. You stand in the presence of Daenerys Stormborn of House Targaryen, rightful heir to the Iron Throne, rightful queen of the Andals and the First Men, protector of the Seven Kingdoms, the mother of dragons, the Khaleesi of the Great Grass Sea, the Unburnt, the Breaker of Chains. Laisse tomber tous les titres. T'as des skills, hein? This is Jon Snow. Ah oui, ouais, c'est vrai qu'il a moins sur la barre. Il a dit quand même au roi du Nord, histoire de. Ouais, mais bon, le palmarès c'est moins chargé, quoi. Ah, bah, excuse-le. Your father burned my grandfather alive. He burned my uncle alive. He would have burned the Seven Kingdoms. My father was an evil man. On behalf of House Targaryen. I ask your forgiveness for the crimes he committed against your family. And I ask you not to judge a daughter by the sins of her father. I have been sold like a brood mare. I've been shamed and betrayed, raped and defiled. Do you know what kept me standing through all those years in exile? Faith. Not in any gods. Not in myths and legends. In myself. In Daenerys Targaryen. The world hadn't seen a dragon in. Elle n'est pas décevante. Hein. Il y a le charisme de la reine. The Dothraki hadn't crossed the sea. Any sea.
they did for me. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. You must forget my manners. You'll both be tired after your long journey. We'll have baths drawn for you and supper sent to your rooms. Ça va tout remettre en cause. Ouais. Parce que là, pour le coup, ils ont besoin d'eux. Ouais. Am I your prisoner? Not yet. Bon. Disons que ça s'est plutôt bien passé. Ouais, non, mais j'apprécie. Un peu tendu parce que voilà. Non, mais c'est bien. Oh putain. Ça, c'est un bad gay que je vais apprécier, tu peux. Ouais, il est. Il a ce côté. Troll. Troll liganesque. Voilà, exactement. Oh bah oui, c'est pour ça qu'elle a le maquillage. Bordel de merde. C'est pour ça qu'elle a rouge à lèvres. Putain. Oui. Voilà, regarde l'amour air sous tes yeux. On va prendre l'antidote. Comme elle avait fait, le petit antidote là. De quoi ? Il n'y avait pas un petit antidote qu'elle avait pris Oui, bah, peut-être, oui, voilà, elle le prend. Voilà. Mais voilà. L'autre est à mourir sous ses yeux. How long does the poison take? Difficult to say, hours, days, it depends on the subject's constitution. But death is certain. Oh yes, quite certain. Pas possible. C'est pas possible, votre relation de merde. Quoi, c'est pas possible? Non, mais je m'y habituerai jamais, j'y arrive pas. Dis donc, cette saison, tu t'y habitues pas. Non. On a quand même commencé le premier épisode avec ça. Hein. On finit. Ouais. I will allow you to mine the dragon glass and forge weapons from it. Any resources or men you need, I will provide for you. Thank you. So you believe me then about the Night King and the army of the dead? You'd better get to work, Jon Snow. Alors, elle y croit peut-être pas encore quand même, mais elle se dit pourquoi pas quoi. Every possible series of events is happening. Arya, t'es où bordel? Seen before. Lady Sansa, at the gate. Ah! Vous, ça peut peut-être aussi être Bran. Non, je pense pas. Sinon, ils auraient envoyé leur corbeau depuis longtemps. Et ils savent toujours pas où il est, lui. Ouais. On va voir. En tout cas, c'est un des deux. Ah, bah, c'est lui. Non, tu vois, c'est Bran. Bah, pourquoi ils l'ont pas prévenu alors? S'il pouvait, il sauterait du roi. Game, yeah, peut pas. Voilà. Bon. Bah, c'est cool! Regarde. Il a changé les bras. Ah, bah, il a vu des trucs. Hein. Ouais, c'est vrai, maintenant il peut toucher quelqu'un. En fait. L'amitié. Ouais. Une amitié est née. Ouais. Ah bah tu peux, hein, parce que ouais. Putain... Bon, maintenant t'es plus que friendzone man. Un caillou c'est fini. Bravo à toi. Sauf si on attaque de l'intérieur. Yep. Oh là là.
c'est comme ça. Facile à dire. I'd hate to die like your son, clawing at my neck, foam and bile spilling from my mouth, eyes blood red, skin purple. Must have been horrible for you, as a king's guard, as a father. It was horrible enough for me. A shocking scene. Not at all what I intended. Yeah, say it. You bitch. The poison worked. Tell Cersei. I wanted to know it was me. Oh, la grand-mère MVP, tu vois. MVP. Et le pire, c'est qu'elle a vraiment droit à sa morte lente. Enfin, à sa mort sans douleur. Ah, puis. Bon, bah, encore un bon épisode. Ah bah oui. Oui, il s'est passé pas mal de choses. Alors, c'est un épisode quand même qui me dégoûte un peu, parce que là, le plan de Tyrion et Daenerys se casse vraiment la gueule, là, ouais, pour le coup. Ouais, ils perdent deux alliés comme ça. Ouais. Tu commences presque à te dire que Yara avait raison quand elle disait qu'il fallait attaquer direct, tu vois. Ouais. ça leur a laissé le temps de prendre en puissance. Exactement. Et de réfléchir. Exactement. Donc là, vraiment, c'est la merde, là. C'est vraiment la merde. Surtout qu'au final, il n'y a pas encore de vraie alliance avec Jon. Non, mais ça va se faire, mais... Oui, oui, voilà, oui. Non, puis là, comment retourner la situation, ça va être compliqué. C'est pas... Du côté de Winterfell, donc ouais, c'est Bran qui est arrivé le premier. Ouais, c'était inattendu. Là, c'est ça, c'est Bran qui est de retour avant Arya. Bon. C'est chelou, parce que moi je pensais que depuis le mur, ils auraient envoyé un corbeau pour dire « Voilà, ton frère arrive, je sais pas. » Non, au final, non. Ah, non, ils ont fait la surprise. Ouais. Donc le dernier, l'épisode précédent, on ne l'a pas vu, Bran. Non. Donc justement, c'était le temps du voyage. Quoi. Ouais, mais même pas un avertissement. Hein, En tout cas, il est là, puis il a bien fait. C'est pareil, même lui a fait vite pour arriver aussi. Parce que bon, il est parti quand? On ne sait pas quand il est parti. Au final, il finit par arriver plus vite qu'Aria, alors qu'elle a été prévenue... L'épisode d'avant, et puis je pense qu'elle était moins loin, je sais pas. Elle était pas loin, mais c'est ça, tu sais pas quand est-ce qu'elle est partie. Ouais, mais... Parce que je veux dire, dans l'épisode précédent, quand on l'a vu, Arya, elle était en direction de Westeros, tu vois. Ouais, mais lui, à quel moment il est parti? Parce que bon, le temps... Ah, si tu dis qu'il est parti pas longtemps après être arrivé, et en plus l'épisode précédent, on l'a pas vu. Ouais, mais... Et il a eu le temps d'arriver... il a eu le temps d'arriver avant que Jon parte, quoi. Non, du coup, ouais, j'ai eu le temps de partir avant qu'il arrive. Ouais, parce que bon, si tu me dis qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé, il aurait dû arriver avant que Jon parte, je pense. Ou même, je sais pas, normalement, il aurait dû y avoir une lettre du mur, tu vois, je sais pas. C'est pour faire la surprise. Ouais, mais... C'est pour l'effet de surprise. Ouais, évidemment. Il y aurait un corbeau, ça, l'impact sur Sansa n'aurait pas été le même, tu vois. Là, elle l'a vu, forcément, la surprise, tu vois, voilà. Ouais. Bon. Enfin, bref, ouais. Oh, en tout cas, bon, bah, retour sympa de Bran, sauf que par contre, il fait un peu flipper Sansa, quand même. En même temps, ouais. Parce qu'il est un peu flippant avec sa façon de parler, là. C'est plus le temps qu'elle l'a pas vu, le mec, il a grandi de ouf. Et maintenant, il parle de « Je suis le Corneille à trois yeux », tu vois. Il a vu son mariage alors qu'il était pas là. Voilà. Il s'est flippé. Il y a un truc qui continue la suite de ses histoires. Tu vois. C'est sûr que voilà.
Ouais, bah du coup, ouais, c'est ça, hein. Il y a eu la rencontre entre Jon et Daenerys. Ouais. Bon, rencontre qui au départ a été un peu tendue. Logique aussi. Ouais. Tout se passe logiquement entre les deux, tu vois. Oui, ça n'avait pas se faire d'un claquement de doigts non plus. Mais non. C'est la rencontre tant attendue, c'est la rencontre qui va tout décider. Il faudrait pas que ça se règle trop vite, quoi. En plus, plus le temps, tu vois, plus ça prend du temps, plus c'est elle qui va céder plus rapidement. C'est elle qui va céder, tu vois. Le temps que leur. Tu vois, il aurait pu arriver s'agenouiller, et voilà, c'était réglé. Alors que. Là, le temps qu'il parle pas, elle a perdu deux alliés. Et en plus, maintenant, elle a récupéré du verre dragon sans même avoir à supplier comme je sais pas quoi. Non, c'est lui qui gagne. C'est lui qui gagne, tu vois. C'est vrai. Ah, c'est compliqué ça. Ouais, rencontre aussi, disons plutôt retrouvaille entre Tyrion et Jon. Ouais, c'était bien aussi. Ouais, c'était bien. Là, tu sens que Tyrion aime bien Jon, il a bien compris que c'était un bon gars. Voilà, trop de bons quoi. Exactement. Bon, puis les Lannister qui l'ont bien mis à l'envers, hein. Enfin c'est bon, ah hein, bah c'est ouais. Ça. Hein. C'est, ils ont contre-attaqué, ils ont laissé Castle Rock se faire prendre pour au final. Attaquer. C'est ça, attaquer la vieille Tyrell. C'était bien joué. Ils ont les prisonniers. Les filles de Dorne, bon bah. Yeah. Elles subissent ce qu'elles ont subi. Et puis, ils gagnent les Greyjoy. Bon, en tout cas, quand même, la vieille Tyrell, elle a semé le un peu le trouble dans la tête de Jaime. Ouais. Parce que là, du coup, Jaime, bon. Comme elle lui a dit, ouais, elle peut te mener à ta perte, elle est timbrée, machin et tout, puis il le sait très bien. Oui. Puis en plus de ça, maintenant il a bien confirmation que bon, il le savait. Oui, déjà. Il le savait déjà que c'était pas. Il savait que c'était pas Tyrion qui avait tué, l'autre petit connard de Geoffrey, ouais. Tu vois. Mais là, il a la confirmation ultime. Que en plus, c'était leurs alliés, tu vois. C'était leurs alliés qui l'ont mis à l'envers. Tu vois ce que dire. Surtout que là, il va tout retourner dans sa tête. Tu vois, ouais. Le père qui était prêt à faire tuer Tyrion et tout ça pour un truc que c'était pas du tout lui et tout. Sa sœur aussi était prête à le buter et tout. Et, tu vois, il va se dire toute cette suite d'événements avec Tyrion, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là s'il n'avait pas été accusé à tort. Surtout qu'il a toujours bien aimé Tyrion. De toute façon, Jaime, c'est un bon. C'est un bon, même s'il a des penchants bizarres. De toute façon, ça c'est le point négatif du personnage, c'est ce qui pourrit le personnage. Oui, voilà. De toute façon, elle l'a dit, elle va te mener à ta perte. C'est ce qui pourrit le personnage, sa relation avec sa sœur. Mais sinon, c'est un bon gars en vrai. Bon, puis c'est à peu près tout. Hein. Notre ami Friendzone Man qui s'en va enfin, guéri. Guéri, et puis qui a lié une amitié avec Sam, forcément. Ouais. Parce que. Voilà quoi, il lui a sauvé la vie, hein. Il a sauvé sa peau, et là c'est bien le cas de le dire. Littéralement. Il a sauvé sa peau, ouais. Donc putain. Oh c'est cool, ça fait plaisir de voir qu'il est guéri. Oh ouais, c'est sûr qu'il allait guérir. Non. Il pouvait pas mourir comme ça. Il a encore un rôle à jouer. Porter un petit peu de sa compagnie à... zone, mais quand même. Tu vois. Mais oui, on va être contente de le revoir. Voilà, vous le revoir guéri, tout. On va être contente de le revoir, puis c'est ça. Puis, qui parle de John puis, aussi. Puis plus tard, du coup, il va parler de Sam, qui l'a sauvé, puis c'était apparemment c'est un ami de Jon Snow, et puis un jour, ils vont se revoir, ça va consolider un peu la relation entre Jon et encore Daenerys. Une fois, pour qu'il va lui en devoir une, tu vois. Oui. S'il arrive, qu'il dit, oh, bah, le pote de Jon Snow, il m'a sauvé. Tout est en ta faveur, bordel. Non, en tout cas, bon épisode. Donc, hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. En espérant que cette fois-ci ce soit Arya qui rentre à Winterfell. Parce que là, elle était à côté. Il y a un épisode qui est passé. Donc, vous foutez pas de moi. Elle a le temps de rentrer. Tu vois qu'elle arrive et qu'elle le chlasse, l'autre. Ouais, parce qu'il était en train encore de. Elle était bizarre. Hein. Elle est bizarre comment elle regarde. Non, mais. De toute façon, là, c'est foutu. À partir de maintenant, c'est foutu. Tu vois, c'est réglé. Et elle va pas dériver, tu vois. Surtout avec, en plus, l'autre, Monsieur Corneille a trois yeux. C'est bon, il voit tout, mec. Oui, il voit tout, c'est bon, il peut lui prédire des trucs. C'est bon.
C'est ça. C'est ça. Ouais, donc hâte de voir l'épisode de la semaine prochaine. Et la suite des négociations. La suite des négociations, la suite des retrouvailles des Stark. Ouais. Puis, voilà. Surtout que John il va rentrer aussi. Ah ouais. Peut-être pas le prochain épisode. Que, ouais. D'ici deux épisodes quoi. Ouais. Là, faut qu'il récupère le verre dragon ensuite. Et puis ils partent. Oh, putain con. Et le retour. Il va voir sa soeur et son frère qui se rend après. Oh putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je pars deux jours et puis qu'est-ce qui se passe là? C'est toujours comme ça, quand t'es pas là, il se passe des trucs de ouf. C'est comme à l'époque des cours, tu vois, quand t'étais au collège ou au lycée, le seul jour où t'étais pas là, il y avait trois bastons, manger du kebab à midi, tout. Tu reviens, bah il se passe plus rien. Ok. Donc vivement l'épisode de la semaine prochaine. Ouais. Tchuss.